Coucou! Comment que se va-t-il bien? C'est le bas où j'ai Alain pour démarrer la play, je vous le dis pas. Reduce ride. Oh mon dieu, on va me taper! C'est les tournois régionaux. Bon, c'est pas. De toute façon, là, il sera pas long puisque je joue avec la manette classique. Hein, parce que visiblement la PlayStation et le PC veulent pas faire live avec la toute nouvelle manette. Hein? Non. Non, ils sont là, t'inquiète pas. Coucou les gars. Donc je peux pas jouer avec ma manette de professionnel du coup. Donc j'ai joué avec ma vieille manette toute pourrie. Enfin toute pourrie, non, mais celle qui donne mal aux doigts quoi. Donc c'est définitif pour Rocket League quand on fait un live sur PlayStation. Et ben on prendra, on fera le live au pif en fait avec le petit écouteur et le petit micro s'il le faut, mais si on veut avoir une bonne qualité de live, on fera ça sur PC. Alors comme vous pouvez voir, j'ai changé quelques paramètres, hein, notamment la caméra. Et je lag, j'ai l'impression. Je lag ou le serveur lag? Oh, j'ai pas vu ça. Le serveur a l'air de laguer parce que moi mon ping ça va, 32. Tu es à 24, mais ouais, c'est pas surchargé non plus quoi. C'est les premières minutes, c'est comme ça, c'est la vie. Si la vie. Donc je suis argent 3 dans ce cancer. Ce cancer qui est le 3v3 standard, j'avais déjà du mal à remonter de l'argent 3 quand j'étais sur PC, mais alors là. Mais tire! Super. Moi je suis pas en jambes. Mais bouge. Oh misère. J'ai changé de caméra parce qu'en fait celle-là tout simplement on a un meilleur point de vue aérien. J'ai moins de. Voilà, vous voyez, j'ai beaucoup moins de mal à aller chercher les ballons en l'air. Ah purée, il a fait mettre un but contre son camp, puisque j'aurais voulu. Ce qu'il n'a pas fait, parce que mes stratégies marchent un coup sur 55. Notez bien, un coup sur 55. Oh ta maman, c'est un ballon du McDonald's que l'on donne gratuitement aux enfants à la fin, qu'ils ont mangé leur Happy Meal. Ceci n'était absolument pas un placement de produit pour McDo, non, c'est faux. Squeak. Oh mais non. J'ai changé mes touches de manière abusive. Bonjour licorne. Rip la connexion d'autoroute. L'autoroute. RTC, c'est triste. Là, du fait que j'ai un plastique à mes pieds. Ah oh, non, mais d'accord. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Les aléas du direct Phoenix. J'ai marché sur un espèce de paquet là qui contenait ma manette. C'est le match de l'échauffement, c'est le match de la chauffe, comme je disais avec mon frère, que le match de chauffe il compte pas. C'est le match où on laisse gagner les gens, tu vois, pour leur donner la confiance. Et puis nous, tu vois, on essaie de faire des vraies stratégies pour, tu vois, voir si ça passe, la chauffe, tout ça, tu vois, c'est. C'est pas le vrai match. Non mais attendez, si j'y vais devant, pour eux, il n'y en a pas au moins un qui reste derrière. La rotation, messieurs, la rotation. Et je sais de quoi je parle, je dis pas ça en l'air juste pour faire le pro. J'ai regardé une vidéo dessus. Le principe de rotation en réalité est très simple. Quand on joue en 3v3, c'est chacun doit occuper une zone. La défense, toute la défense qui sont considérées comme la zone C, c'est-à-dire ton propre camp. L'attaque du côté droit qui est la zone B et l'attaque du côté gauche qui est la zone A. Il faut toujours qu'il y ait au moins une voiture dans une des deux zones, sauf en défense où les trois à chaque fois on doit se replier. Super. Et moi qui disais que je maîtrisais mieux l'aérien, c'était pas ouf. Oh, miséricorde. C'est le match du test, exactement. Désolé, je sais pas si je t'excuse en fait. C'est dur, tu vois, intérieurement, j'ai pas envie de t'excuser, mais en même temps, je me dis que si tu mets un but, peut-être que je peux t'excuser. Ceci était une feinte. Oh.
Je vais faire ça maintenant parce que j'ai joué avec un autre gars avec la communauté Rocket League et il me dit je ne suis pas l'engagement et c'est dommage parce que ça évite beaucoup de choses de suivre l'engagement, notamment de se prendre des buts à la con. Bon, il est où l'autre? D'accord. Oh misère, ça passe trop. Désolé, oui, excuse-toi d'être si nul. Espèce de naze. Relégué, CFA, Ligue 2, National. Bouh. Bon bah ça va écoutez, hein. On a retrouvé un level équivalent à la manette que j'ai prise. Hein. Vas-y, tire. Eh ben, vous la faites pas, moi. Ouf. Non. C'est le match TS. Toutes les excuses sont bonnes, tu vois, je fais de la merde, mais c'est le match TS. T'inquiète même pas, le prochain match, on leur roule dessus. J'ai changé les touches donc du coup j'ai des vieux automatismes qui reviennent avec la vieille manette qui ne sont plus là avec la nouvelle manette là. Je sais qu'il y a touché et pourquoi j'y ai été. Après, il y a des joueurs ils ont perdu la foi chez dans mon équipe. Hop. Oh, aïe. Ça s'appelle un attentat monsieur ça. C'est pas très légal. Ça arrive. Ça arrive. Le mec qui le prend super bien en vrai. Ça arrive. T'inquiète. Est-ce qu'il y a 49 secondes à un moment où on peut se dire qu'on a perdu? Oui, je pense. Non mais c'est une blague. C'est pas moi qui l'ai mis. Vous êtes tous team. Regardez-moi cette nullité là. Une nullité que je suis, j'essaie de faire un arrêt et puis lui il la met dedans quoi. C'est le match test! Fonce Timmy! Allez Timmy! Allez Timmy! Allez! Non, t'es pas utile en fait, cherche pas la vie! Allez Timmy, allez Timmy, allez. Bon. Est-ce qu'à un moment on peut dire que j'ai été maltraité? Oui, on peut. Moi je ne touche pas ce sol de perdant, hein. C'est mort. Voilà. Voilà. Allez, bientôt le score de la même Brésil. J'avoue, c'était vrai. C'est quoi la différence entre ta PS4 et le PC si tu joues avec la même manette? Le problème en fait entre la différence PS4 et PC, c'est que ma manette n'est pas reconnue par mon PC. Enfin si, la manette est reconnue par le PC, mais pas quand je live. Quand je live là, j'ai fait une installation qui fait que vous êtes contraint, enfin je suis contraint plutôt de jouer avec la manette dorée. Dans la division, bon ça va, c'est pas encore catastrophique. Du coup, il aurait fallu qu'en fait je refasse d'autres branchages, mais c'est le moins chiant. Comme c'était un petit live et pas un gros live, du coup je me suis dit, bon allez. On va prendre la vieille manette, ça me tuera pas pour une heure de jeu. Après je vais passer mon temps à aller lire un bouquin et regarder les championnats régionaux de Rocket League. Et je sais même pas si c'est le solo standard. Enfin bref, on va essayer de jouer un peu mieux que ça, parce que là franchement c'était catastrophique. Plus personne qui a bougé. Eh ben. Mais c'est les mêmes, je les reconnais, coucou. Hello again. Nope. Ils sont déprimants de nullité les mecs quand même. Ils ont été deux à essayer de prendre un ballon, les deux, ils l'ont esquivé. Et de 1 et de 2. Fusion de la même temps, mais ça donne des scènes très drôles. Par exemple. Prends-le, gros naze. Merci. Toujours dire merci quand on dit grenade.
Comme dirait un Worms. Ce qui en langage français pourrait se traduire. Mais pourquoi est-ce que tu m'as pris le ballon, espèce d'abruti? Je vais manger ton âme et ensuite toute ta famille pour pouvoir la servir au barbecue de la fête foraine de l'an prochain. Voilà. Oui, bah le Real Match, quand vous voyez que j'ai que 10 points. On va dire qu'on n'a rien vu, hein? On va dire qu'on n'a rien vu. Parce que clairement, ce matin, quand je jouais hors live, ça se passait très bien. Je crois que c'est la PS4 qui est maudite. Hein, parce que clairement, quand je live sur PS4 avec Rocket League, je me mange des tannées devant vous. C'est pas admissible. Dixit, le mec qui veut faire de l'e-sport, en plus, j'ai honte. Oh! Ça aurait pu passer s'il y avait quelqu'un pour recouper, mais bien sûr, ils m'ont tous suivi comme des glandus. Ils n'ont pas suivi le schéma de la rotation. Bah non, ils n'ont pas suivi le schéma. Eh bah oui. Et du coup, ils n'ont pas mis le but. Et si on perd, ils vont encore dire que c'est de notre faute. Ou alors que les gars en face, c'est des no-lives, c'est pour ça qu'ils jouent ultra bien de leur vie. Hein? Ou alors que moi, je suis un noob, parce que j'ai raté ce ballon. Un ballon que normalement, j'aurais pu prendre. Moi, je suis pas la rotation non plus, donc je peux parler, mais... Hein. Flûte. Je ressors les vieilles insultes des années 95. Hein. Les vraies insultes de dessin animé, quand ils disaient flûte, tu sais, le gamin était choqué. Oh, maman, il a dit flûte. Hein? Je pense que c'est ça aussi moi la première fois que j'ai regardé un dessin animé où j'ai entendu merde. J'ai fait moi il a dit merde. Non pas à ce point là, mais j'étais en mode dubitatif, je fais ah on peut dire merde dans un dessin animé, je savais pas. Non. Alors basiquement il devait l'avoir avec moi. Qu'on soit d'accord sur la trajectoire. Moi je l'ai pas eu parce que j'ai enclenché mon non aérien trop tard. Mais lui. Non, s'il vous plaît. En haut, on aurait dit que vous répondiez à travers du live avec Brie. C'est une possibilité envisageable. Qui te dit que je connais pas Brie et que du coup on se répond et qu'on n'a pas fait justement exprès de faire un live en même temps. Reste sur ta trajectoire. Moi je suis un pro, monsieur, exactement. Moi j'ai joué avec Cloud9. Et ouais, c'est moi que j'étais champion du monde là. Et essaye pas de m'exploser alors que je suis dans ton camp, espèce d'abruti. Allez. C'est pas moi qui l'ai fait, mais allez. La remontada est tout à fait possible. Une remontada n'est pas possible, hein. Moi je vous le dis. Dans des conditions de travail actuelles là, je n'ai plus confiance. La foi en mon métier vient de diminuer de 15%. Oh misère. Je ne touche pas un ballon en fait. Je veux bien faire, mais là il y a des limites. Je l'ai touché pile ce qu'il fallait pour... Que tu m'envoies chier, d'accord, écoute, non mais d'accord, hein. Si vous voulez jouer à deux, vous me le dites, hein. Parce qu'il y a un moment, il y a un mode de jeu qui s'appelle le 2v2, qui fait que vous pouvez rester ensemble, hein. Moi, j'étais avancé, pourquoi t'es venu du cancer? Regardez, là où je suis, cancer. Ouais, ça rentre pas, voilà, il va mettre trop. C'était prévisible, j'ai envie de dire, allez, à toi, Timmy. Mais jetez-vous sur les bons ballons, purée, là, vous vous jetez sur rien du tout. Allez, jette-toi dessus. Voilà, c'est bien. Enfin. Voilà, maintenant, laissez-moi faire. J'essaie de ramener le ballon un peu là-bas. Allez. Au. Évitez de marquer contre votre camp aussi, ce serait appréciable. Les mecs, je suis dessus, vous avez besoin de vous mettre à deux dessus. Magnifique. Ah mais je sens mon téléphone, je me suis entendu gueuler. Mais une musique épique va te donner de la force. Ah je peux pas, faut que je sois sur mon écran de PC et du coup je vais perdre mon écran de l'ordinateur. Du coup j'ai perdu. Ah mais quel gardien, c'est le meilleur dégagement que j'ai jamais vu de ma vie. J'y suis bugué. Centre! Presque centre. C'était un centre, mais il n'était pas fini. Écoute, c'est la greffe, fais pas chier. Je suis déjà gentil d'assurer le service minimum. Hein. Je réclame d'être mieux payé pour les saves que je fais, pour les tirs que je fais, et surtout pour le but que j'ai mis, que je sauve l'honneur de cette équipe qui, clairement, est une équipe de ball chaser. Je le dis.
Regardez, il sait que je vais devant. Il sait qu'il n'y a personne derrière. Pourquoi il vient devant? Pourquoi il vient devant? Est-ce que tu sais jouer à Rocket League à un moment, Coco? Si tu joues en compétitif, il y a un moment, il faut que tu essaies quand même de remplir certains critères pour le bien fondé de ton équipe. C'est-à-dire connaître des règles de base. La base, basique. Bordel, mais il marque même pas, quoi. Ah, miséricorde. Je la touche même pas. La vie de ma mère. Mais je suis dans ton camp, espèce de banane. Cette violence d'insulte. Le taux de violence est à avoisiner les 95%. Oups. Ah, zut. Je ne leur dirai pas GG, hein? Non, non, je ne leur dirai pas GG. Bon, si, je leur dis GG. Ah, j'ai gagné une ventouse de débouchiotte. Ça vous dire à quel point mon jeu était de la merde. Ça, c'est pas un signe. Ah non, parce qu'en plus, j'ai perdu là où j'avais or 3 et pas argent. Ah, fait chier. En plus, il me semble que j'étais division... Non, ça va. C'était le cas où j'étais division... Ah non, c'est le double où je suis division 5. Mais c'est pas or 3. Il lui faut de l'eurobeat. C'est exactement ça. Par contre, juste des paroles étaient chelou quand même. Mon bribri, si tu m'entends, sache que je t'aime. Je t'aime d'un amour fou, de biscuits, de cookies. J'ai envie de te tremper dans le lait de l'amour, de te grignoter au petit déjeuner. Écoutez, il y va pas, moi j'y vais, hein, à un moment. Il faut savoir refaire les choses, et puis moi je ne sais pas tirer. Regardez, admirez le jeu nul d'un homme qui a zéro confiance en lui à cause de la nouvelle manette. Regardez-moi ça, comment je fais pour être aussi nul? Je prends tout mon temps, et puis là je vais le regretter toute ma vie de ne pas avoir mis le but. Voilà, il rentre. Minimum de dignité, s'il vous plaît. C'est le but le plus laborieux que j'ai. Wouah! Oh mon dieu, le rage kit! Le mec, il m'a vu faire, il a fait « Oh, trop de talent, je peux pas rivaliser. » Il a vu le talent. Il a vu à quel point c'était... trop high level pour lui, du coup il a fait j'abandonne. Ah misère. Il est en train de me regarder mettre le but, il a fait non, trop de niveau, je pourrais jamais. Trois ans pour mettre un but alors qu'il y a personne qui défend. Mais tu vois, en fait, c'est tout simplement une technique de l'intimidation. Tu vois, ça a marché. Ça a marché. Ne me jugez pas, vous voyez bien que ça a marché. Vous n'avez donc rien à dire. Si ça marche, c'est que c'est la bonne technique. Non mais, vous ne permettez pas de juger. Oui, mais encore. Oui, mais encore. Oui, mais encore. Ah, pourquoi t'as pas été? Non, ça rentre pas dedans, ça. Oui, oui, ça rentre pas dedans. Mais oui. T'inquiète, tranquille, je gère la situation. Moi, j'étais serein. Du début jusqu'à la fin. C'est le mec. Je maîtrise absolument tout. Intérieurement, son battement par minute, il a augmenté à 150, tu sais. T'inquiète pas, j'ai juste vu les étoiles, mais ça, c'est parce que tu vois, c'était l'excitation de la maîtrise. T'inquiète même pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec moi, messieurs? Je pense que j'aurais dû me reporter sur le PC. Moi, j'aurais pu conserver la bonne manette et ça m'aurait peut-être... C'est pas un prétexte, la manette, mine de rien, parce qu'elle a plus de sensibilité, elle est beaucoup plus précise. Et du coup, j'ai l'impression que je me suis vite fait au luxe. Un luxe que j'ai quand même acheté avec l'argent de mon travail, s'il vous plaît. Hein. C'était pas un luxe démérité, c'est un luxe mérité. Non! Vous m'empêchez de défendre! Allez-y. Ce qui en soi est une défense offensive. Oh! J'aimerais être bon, c'est pas trop demandé. À mon skill actuellement. T'inquiète, je gère Thierry. Bien joué Thierry. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Voilà, comme ça.
Non, pas comme ça, non plus. Non, oui, Timmy, oui. Là, c'est oui, oui, comme ça, Timmy. C'est bien, Timmy, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Non! Ah, bâtard. Il a fait un bel arrêt. Il semble qu'il s'est arrêté, hein. Parce qu'il a su, il voulait me mettre dans le vent, en fait. Il a voulu me feinter. Mais ça ne m'a mangé. Je connais les vrais mouvements. Oh! J'étais dessus aux yeux. C'est le mec qui se tente de rassurer. Je suis pas devenu nul. Hein. Non, non. Je suis pas devenu nul. Je suis pas devenu nul. Je suis devenu nul. Oups. Non! Fonce, Timmy! Je suis au centre! Je suis plus au centre. Je suis en défense. Il n'y a plus personne en défense. Elle a pécho en l'air, mais c'était mal fait. Bonjour. Allez, moi de la choper en l'air. Mais cette fois, c'était une feinte! Ah ah! Pas du tout. Je me suis loupé. Je suis pas devenu nul, non! C'est pas vrai! Je suis devenu nul à chier! Non, en fait, c'est le soir, tu vois, j'ai mal mangé, je pense. Faut pas croire, l'alimentation des sportifs, hein, ça joue beaucoup. Hein. Demande à Mama Audi, là. Dame de cantine. Une vraie dame de cantine, tu sais, avec leur petite charlotte sur la tête. Là, on dit Mama Odile, mais en fait, c'est parce que c'est mangé avec l'accent, tu sais, un peu africain. En fait, c'est Mama Odile. En fait, tu vois que c'est une dame toute gentille, qui a rien à voir avec la sorcellerie vaudou et tout. Et qui, au contraire, elle a juste une envie, c'est que tu crèves pas la faim à la fin de la journée, même si c'est qu'elle te sert du surgelé. Les petites dames de cantine gentilles, quoi. Tout le monde connaît les dames de cantine gentilles. Sauf les externes, vous ne connaissez pas ce luxe. Vous ne méritez pas ce luxe, vous, les externes. Vous qui rentrez chez vous pour manger des plats préparés par papa-maman ou des surgelés achetés à Auchan. Oh, placement produit Auchan. Oh. Oh là là, il fait des placements produits pour Auchan. Oh mon dieu, on va le dénoncer. C'est un youtubeur, il a trop changé. Maintenant, il fait des lives, il fait des placements produits. Ah, je suis Kécho, il prévient même pas sa commu. Oh non, non. Bon, il est temps d'être décisif. Pardon! Je l'ai prévenu en disant pardon, c'est pour ça qu'il l'a arrêté, sinon vous croyez bien que je l'avais. Bien sûr que je l'avais mise. Non mais, vous osiez douter? Je vous interdis de douter. Oula, ça c'était confus. Hein. Je vais rester en défense pour les 7 dernières secondes là parce que c'est franchement tendu. Hein. Vas-y, Audi, là, je te le laisse. Hein. Oui, il l'a, il l'a. Il a dit qu'il l'a, ça veut dire qu'il l'a. C'était bien cadré, mais il était dessus aussi. Une chance que notre défenseur. Oh bordel. Je veux dire une chance que notre défenseur se soit pas fait passer. Non! Et une chance que notre gardien est bon. Ouais, j'ai mangé mes tartines à la cantine, c'est trop bien. C'est-à-dire que je suis choqué, c'est 10 minutes à pied de chez moi, qu'est-ce qui se passe? Team externe! Oh! Ça, 50 minutes de plus de chez moi, non. Lol, fugue. C'est bien, on s'enfonce un peu plus dans l'argent chaque jour. C'est bizarre parce que moi, j'en vois pas le bout. 70 points, ouais, clairement, je joue très mal. Je joue clairement très mal, très mal, très mal. Je joue clairement très mal. Je veux jouer avec ma manette pro de Révolution 2, c'est ça, comment ça s'appelle? Qui est retourné derrière moi? Révolution Pro Contrôleur 2. Demi-pensionnaire, tu restes coincé toute la journée au collège. Ouais, j'avoue. Ça a été mon cas à un moment. Moi, au lycée, en fait, j'avais le luxe de pouvoir aller manger dans une pizzeria juste en bas. Ouais. J'ai jamais aussi bien mangé en un an que ça. J'avais choix entre le kebab, les pizzas, et ça, tu bouffes, mon gars. Pas du tout, c'était trop. Oh oui, c'est beau, ça! Mais ils l'arrêtent tous. Ils sont à trois dessus, les mecs, ils l'ont. Moi tout à l'heure j'avais deux gars, ils étaient à deux dessus, ils y arrivaient pas. Les mecs étaient pas sereins. Ah monsieur, oui monsieur, oui monsieur, mais non! Eux ils sont à deux, ça passe par contre, ils arrivent à l'arrêter. Hein? Ah bah oui, hein. Moi j'ai pas les teams comme ça, moi.
Moi, j'ai les teams cancer, qu'ils sont à deux sur un ballon, mais le ballon, il arrive à passer quand même. Tu sais, c'est les mecs, c'est des passoires. D'un moment, ils n'existent même pas, quoi. Ils sont passés dans un autre univers, ils sont devenus fantomatiques. Ah! Je me serais jeté un peu plus tôt, j'aurais réussi à faire ce que je voulais. Je voulais incliner légèrement la voiture sur le côté, histoire de dévier le ballon. J'ai rien dit, j'ai réussi. J'ai réussi à motiver ma troupe. Allez, c'est vrai que le collège, tu peux pas sortir avec tes potes, avec le repas ou. Pour le repas. Collège égale prison, lycée c'est un peu mieux. Les collèges oui égale prison, parce qu'il faut voir que ce que certains collégiens font, hein. Et c'est là où tu vois que le système scolaire est extrêmement bien fait, hein. Et surtout reflète l'état du monde actuel, hein. C'est que les plus sympas payent les pots cassés pour la minorité d'abrutis qui font des conneries. C'est toujours comme ça. Oh là, Rotune, justement dosé. Vous n'êtes pas prêt pour le but que je vais mettre. Clairement pas. Admirez plutôt. Ne passe pas maintenant. Ça, c'était un fake. C'était pour leur faire croire que j'allais tirer, alors qu'en fait, je n'avais qu'un seul but, c'était d'exploser cet homme. Hey, tu me donnes des crises cardiaques, hein, mon frère. Franchement, oh. Vas-y, fonce. Là, j'ai cru que j'allais faire un AVC. Là, j'étais tendu par terre déjà. Je vois, j'attendais la mort. Hein. J'étais pas serein. Bon, fonce. Oula. Alors, c'est bien d'être gardien, mais c'est pas passionnant pour les gens qui regardent mon live. Donc, est-ce que, éventuellement, hein, je demande ça gentiment, vous pourriez me laisser attaquer ou mettre un but, hein, sans doute que les gens seraient contents. Hein. Ah, mais on n'est pas sur Twitch, j'allais dire, au pire, on pourrait faire continuer la tradition du smiley pieuvre. Non! Mais qu'est-ce qu'il. J'ai plus les mots. Pas de problème. Non, franchement, c'était prévu. La France! Non, la nation française, s'il te plaît. Inter-Carrefour, Leclerc, t'es mal, le mec, il a toute la ville autour de lui. T'inquiète même pas, je sais où acheter le moins cher. En vrai, c'est pas Leclerc. En fait, il faut faire ses courses un peu à Carrefour, un peu à Intermarché, un peu à Leclerc. Et là, t'as le moins cher. Bonjour Darwin, PLS, oh my gosh. Avant que ce soit Darwin, please. Pardon. Hein, le Burger King. Le Burger King de la qualité. Est-ce que je pourrais devenir bon sinon? Ouais, bah j'ai 100 points, c'est déjà mieux, je suis un peu mieux. Je suis un peu plus meilleur, hein, comme me dirait un très grand sportif du nom de Franck Ribéry. Je sais, c'est une passe décisive. Vous n'étiez pas prêt. Personne n'est prêt pour mon talent. Et personne n'est prêt pour ça. Ah ah. Tu ne t'attendais pas à ce que je te fonce dedans. Et tu ne t'attendais pas à ce que je te fasse un bisou. Ni sur les fesses. Je te martyrise. Et du coup, il a essayé de se venger. En essayant de se venger, il est resté en infériorité numérique dans son camp. Et oui, c'était mon plan depuis le début. Pas du tout, j'avais juste envie de le martyriser, mais... C'était mon plan depuis le début. C'était ma stratégie. Ah, ceci, c'était ma stratégie. Quel arrêt. Alors vous pouvez remarquer que j'ai plus les notifications et les petits sons qui s'affichent parce que je les ai enlevés parce que des fois ça me gênait. Notamment quand j'étais en aérien, ça me fait distrayer le regard et du coup je perdais le fil de mon ballon. Attention, vraie stratégie! Mais non, c'était pas ça ma stratégie. Vous n'avez pas suivi, c'est de votre faute. Quel rapport avec Overwatch? Juste que j'ai eu la flemme de changer le titre et du coup j'ai oublié. Voilà. Il n'y a pas d'Overwatch ce soir, désolé Darwin PLS. Nous sommes sur Rocket League pour juste une petite heure. Le gros live arrivera demain. What are you doing? J'essaye de sauver les meubles. Même si éventuellement il n'y a pas de meubles sous l'eau. Non mais au bout d'un moment il faut dire ce qu'il y a, je suis nul à chier. Mais il y a pire que moi, il y a pire que moi. Ça c'est vrai. Oh! On reprend, on se concentre, hein. Allez, foncez. Alors, ils chase tous la balle, mais quand c'est moi qui la touche, il n'y a personne pour venir m'aider. Voilà, tu vois, j'ai dû le projeter en l'air pour qu'il puisse la toucher. Vous n'allez pas me dire que je l'aide pas, hein. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, mon gars. Ça va, il me reste encore de bons réflexes. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je joue comme un pied, mais écoutez. Est-ce que le fofo c'est un gros flemmard? C'est faux, je ne suis pas flemmard. Hein? C'est pas moi qui dis j'ai la flemme de mettre une note.
sur Road to MLG, n'est-il pas? Ah mon frère, là on est en train de perdre tout le travail que j'ai fait pour la team e-sport. Hein. Je voulais pour repasser platine à retrouver mon vrai level. Hein, sans cette manette bien sûr. Et là visiblement c'est nul. Quel arrêt. Ah merci. Même les adversaires sont un peu plus conscients, ils disent c'était pas loin. Bah oui, c'était pas loin, évidemment. C'est évidemment que ce n'était pas loin, voyons. Évidemment que c'était pas loin. Tu crois quoi? Moi je suis pro, monsieur. Regardez-moi, je fais des passes décisives que personne n'est foutu de reprendre parce que vous chassez la balle. Si je jouais tout seul, ça serait mieux. Misère. T'inquiète, je gère. Mais regardez, ils sont trois derrière moi à se demander. Est-ce qu'il va réussir à la dégager? Non, je peux pas attendre. Voilà, attends, c'est bien. Reste derrière et attends. Non. Et. Ah, il m'a traité de stupide, j'aurais pu la sauver. Ouais, mais t'aurais pu en marquer 15 aussi et j'ai pas dit stupide, t'aurais pu marquer ça. Il m'a insulté 950 fois. À l'image de ses 950 étoiles. Je dois le taper pour avoir la balle. Hein. C'est dingue. Je touche pas sol. Je joue mal, j'avoue, mais c'est pas une raison pour traiter les gens de stupides. Hein. Ça pique. Ça y est. J'ai aimé sans partir. Oh, la soirée nulle à chier. Un chat bipolaire. Oui. Et une licorne bizarre. Je suis vu comme quelqu'un de bipolaire. C'est cool. Le pauvre Maxime n'est pas bipolaire, il est tripolaire. Il est tripolaire avec une ascendance schizophrénique. C'est pas pareil. Respectez un peu sa maladie, merde. Nos joueurs ne respectent plus rien. Allez mon frère, on a un 2v2 là, cette fois. On fait les choses correctes. Ou comme diraient les Marseillais, à la bien. Le premier but. Beau tir. Merci. Merci. Belle passe. Merci. J'ai tout fait tout seul. Ah ah, l'engagement. L'engagement en terre. Retourner acrobatique. Justement dosé. Oh purée, il la saisit pas. C'est bon, il y a de la place. T'inquiète pas frère, il y a de la place, tu peux y aller. Je reste en défense. Non, frérot, pour de vrai, il y a la place. Oh merde! Le mec qui s'auto-félicite! Il est mort de rire aussi! Ça va, il le prend bien! Heureusement qu'il le prend bien parce que purée! Oh, un autre rageux m'aurait mis tellement cher, il m'aurait dit espèce d'abruté! T'es con, stupide, ah oui, excusez-moi, stupide. Non. La vie de ma mère, tu le mets pas. T'en as mis un parce que j'étais gentil, sinon le deuxième, tu passes pas. Vas-y, je sais pas quoi, Earth Duke. Darth Duke. Les vrais pseudos. C'est pas Darth Vader, c'est Darth Duck. C'était pas loin, j'avoue, t'inquiète pas, frère. On va le mettre, le deuxième. On va le mettre tranquille. Il va passer tellement tranquillement, on le verra même pas venir. Ah, tu vois, je t'avais dit. Tu vois comme quoi j'ai toujours raison. Ça c'est fair play, tu vois. Ok, il défend. Ça va, j'ai pas encore le doigt qui me titille. Finalement, rester enfoncé sur le joystick sur cette manette, ça reste agréable un minimum de temps. Oh! Oh la feinte! Eh oui, mon gars! Non, Timmy! Fais pas des trucs comme ça! Ok, ils sont confus. Ils sont confus! C'est le moment. Comme dirait mon frère ou ma petite soeur, je sais plus, les deux disaient ça. Mais quand il y avait une occasion en or, on faisait vite! C'est le moment. C'est avec un accent un peu pourrave, c'est le moment. Oh! Ce talent! Centre! Centre, Timmy! Bravo, Timmy!
problème. Mais qu'est-ce que ça te fait, cher Timmy? Max, Maxime, Maxine. Personne n'a pensé à Maxence, c'est une honte. Non, vas-y Timmy. It was a trap. It's a trap. En fait, ils n'avaient jamais l'intention de venir. Ils attendaient que l'on vienne, afin que l'on puisse nous tromper et qu'on soit tous éliminés à cause d'un de nos tirs complètement dégueulasse. This is filth. Oh Timmy, c'était nul, mais c'était moi. C'est pourquoi je te demande pardon. Acceptes-tu mon excuse? Il m'a accepté. Non, Timmy! Oh mon dieu, c'est beau ça! Oh Timmy! Pas de problème! Mais quel combo, mon cher Thierry! Tout à fait, il a fait un truc magnifique parce qu'en fait, mon Phoenix, il était nul à chier sur ce coup-là. Il a su faire une passe, mais alors pour la prendre, c'était pas la même histoire. Hein. Il l'a. S'il dit qu'il l'a, c'est qu'il l'a. What a play! Oh. C'est pour ça que je kiffe ce stade. Oh bah écoutez, il m'aide. Je crache pas dessus. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir accepter les cadeaux qu'on vous donne. T'inquiète pas, Timmy, c'est prévu. Bah, tu vois, ma stratégie était parfaite. Regarde, le cinquième. Voilà, Timmy. Bien joué. Ma stratégie était calculée depuis le début. Oui, bien sûr. Je ne l'avouerai jamais. Pourquoi je ne l'avouerai jamais? Mais la modestie, monsieur, la modestie, il en faut dans ce métier. Timmy, best player, clairement. Attends, on va voir les stats du Timmy. Oh, oui, le Timmy. Le Timmy. Le Timmy, il est là. C'est un bon Timmy. Fonce, Timmy. Bien, Timmy. Ah, il m'a piqué ma pastille. Mais c'est pas grave, Timmy. Oh, belle passe, Timmy. Ah, Timmy, tu me l'as enlevé. C'est pas grave, Timmy, je te pardonne. Pas de problème. Tu es tout pardonné, Timmy. Vu le match que tu fais. Oh, Timmy. Ah, Timmy, donne du plaisir. Il reste 2 minutes 11. Oh. Oui, c'est le best teammate. Il fait tout le boulot pour moi. Mais en même temps, je suis pas nul non plus. Parce que 360 points, mine de rien, ça veut dire que je fais quand même quelque chose. Même si clairement, ça se voit pas. Je fais des passes décisives, j'obtiens des occasions. Ah, le gardien là-bas dans le fond, il est découragé, ça y est, il a perdu sa vie. Hein. La dépression, Philippe! Timmy! Seconde volée! Ah, yeah. Poti! Merci, Timmy! Vas-y pour le 7-1, allez, tranquille. C'est moi le 7ème, toujours. Bien vu, pas de problème. On va y avoir un rush kit. Ça va être beau. Ah, toujours pas. Je l'ai, Timmy. Ah, j'aurais su. Je l'aurais cadré. Eh, c'était pas loin, effectivement. Mais j'aurais su, je l'aurais cadré, comme je te dis, Timmy. Attention, il arrive. Zai. Merci, le poteau. Eh, le poteau, il a sauvé mon honneur, ma vie, ma femme, mes enfants, tout ce que tu veux. Ouh là là. Clairement, je me la voyais la voir. Hein. Ah, parce que tu te remets à jouer d'un coup, là, toi. Mais c'est que c'est pas très clean, ça, monsieur. Venir quand votre collègue a déjà fait tout le boulot pour essayer de mettre un but et rattraper les pots cassés. This is filth, monsieur. This is filth. Oh, miséricorde. Je joue très mal, je m'en excuse. Là, ce soir, ça va pas. Hein. Écoutez, j'ai pas le level. Hein. Je n'ai pas le level. Je l'avais pourtant, il y a deux secondes. Enfin, deux secondes. Ce matin, ça allait. J'arrivais à gagner chez Winner. Contre des mecs qui étaient beaucoup plus compliqués que ça. Parce que là, clairement, ils sont largement prenables, hein, les gars. Les ballons qu'ils me donnent sont pas non plus des ballons monstrueusement difficiles. Ah oui, Timmy, il a lu dans le jeu. Bien joué, Timmy. Oh, miséricorde, Timmy. Attention! Ah non, Timmy, s'il te plaît, ne fais pas ton ball chaser. Ne me déçois pas. Ne me déçois pas, Timmy! Oh, Timmy, belle passe. Merci, Timmy. Ah, combo arc, tiens, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment tu vas? Merci, Timmy. Le 8-1 qui fait plaisir. Et je vais lui piquer sa première place. Non. À ce niveau-là, on peut pas. Olé! Sous la barre. Oh! Quel arrêt! J'en bouge. Merci. Pas de problème.
Pourquoi il n'y a pas été lui? En plus, il a recommencé à sauter, mais dans l'autre sens. Ah, le Timmy, il fait des choses incroyables. Grâce à lui, on gagne 9-1. J'ai jamais vu ça de ma existence. Hein. T'inquiète, Timmy, je gère. Hein. Il ne se passera rien de grave tant qu'ils joueront de cette manière. Oh, misère, mais c'était nul à chier. Jugez-moi. On dirait vraiment que j'ai retrouvé le vrai niveau d'un gold, mais de la saison 1, quoi. Et oui, Timmy, ça, c'est but. Mais non, pourquoi tu me l'as volé? Oh, ce vol! Oh, ce vol! This is fierce! Pas de problème. Buffy. C'est mon up 9-1 en 5 secondes. Techniquement, non. Oh, oh. Ah non. C'est moi, je l'ai mis d'abord. Mais ce vol, j'avoue, j'avais fait tout le travail. C'est honteux, c'est... This is fierce. This is terribly fierce. 6 secondes. Bande de passants. Et un pour le livre de record. Oui, 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 oui. 1080 quand même. Je tiens à le préciser que j'ai 1080 points. Ça m'a même pas augmenté une division. Mais ce vol! Ce vol sur toute la ligne du jeu! Mets le but dans ton corps. Non. Je ne suis pas comme ça, mon chat. Je ne suis pas de... Je ne suis pas de cette trempe, là. Voyons. Voyons. C'est mal me juger. Mais grave un P1. Comme quoi, c'était un match de qualité, de haute qualité. C'était un match de haute définition, tu vois. C'est la qualité HD. Bon, il serait peut-être temps quand même de faire quelque chose de bon. Mais c'est bon, j'ai l'impression en fait que ma voiture est beaucoup plus rapprochée. Voyons donc, j'ignore. Attendez, quand il y aura un but, je vais voir mes paramètres s'ils sont restés tels que je les ai mis ou si quelque chose a changé, j'ai remis par défaut par sans le vouloir, parce que ça me paraît bizarre. Alors, moi, il y a 240 de distance de vue. Ce qui fait que techniquement, des ballons comme ça, voilà, j'arrive à les prendre easy. Zay! La vraie retournée acrobatique, justement, de Zay. Oh, misère. Zay! J'aimerais la mettre en l'air, mais j'y arrive pas, là. Clairement, les mecs, aidez-moi. Toute cette concentration de nullité d'un coup, c'était trop. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Mais déjà, au moins, j'arrive à mieux toucher mes ballons. Ça prouve que le jeu m'a bien chauffé. C'était un centre, ça, Timmy. Mais pourquoi il l'a pas pris? C'est le Timmy 2, celui-là. Le Timmy 2, il est pas terrible. Hein. Là, pour l'instant, il montre pas de bonnes choses. Hein. Oh! J'aime pas comment les choses se déroulent. Hein. Non! J'ai pas tout compris, mais tant que c'est pas passé, c'est pas passé. Les asphyxier niveau pastille, voilà, comme ça tu reviens, mais t'as pas de boost. T'es contraint de revenir dans ta défense. Je reste en C souvent, parce que c'est souvent la zone oubliée, hein, parce que c'est la zone chiante, hein, c'est pas la zone où tu vas mettre des buts. Alors forcément, quand tu veux jouer le héros du match, best player, MVP, but MLG, forcément, personne n'en veut de cette zone. Bah oui, c'est pas la zone marrante. Quoique si, il y a quand même rien de faire des arrêts MLG, mais... Ils ne voient pas la beauté des arrêts, donc du coup, tu vois, c'est toi qui est obligé de te taper le sale boulot, dirons-nous. Zay! Zay! Bon, écoutez, au moins, je les ai tapés, eux. Et foncez! J'ai l'impression que tout ce que je fais, vous faites exprès d'être lent à 300 km/h pour rendre stérile tout mon travail. Mais tu me vois arriver sur toi. Détourne, frère. Monte le mur, je sais pas, moi. Là aussi, j'ai eu un conseil, c'est jouer plus sur le côté, éviter de remettre trop dans l'axe. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, mais je vous avouerai que les automatismes sont plus durs à perdre. Ah, mon frère, il m'a piqué la pastille, là, je le vis mal. Et c'est pas de m'exploser, this is fierce. Non! On joue sur le côté. Ça revient dans l'axe. Je pensais qu'un de mes coéquipiers l'aurait vu et qu'il aurait compris, mais c'est pas grave. Non! C'est toujours sur le côté, mais ça revient dans l'axe, c'est dangereux. Non, mais si c'est pour faire ça, ne monte pas. Ne monte pas. Là, j'ai pas la prétention de me trop mal jouer, ça va. Je joue pas non plus le pire jeu du monde actuellement, donc. Hein. Oh, ça peut passer ça.
Ça peut passer sur un malentendu, ça peut. Oui, sur un malentendu, ça peut. Non, mais je suis avec toi, Timmy. Désolé, pas de problème. Je t'excuse. Tu t'es excusé tout de suite, ça veut dire que ce n'était pas intentionnel. Je ne t'en veux absolument pas, et ça fait longtemps qu'on devrait gagner 1-0 et que je ne vois pas de but. Expliquez-moi. Ça fait 15 ans qu'on a les meilleures occasions, et il n'y a pas un seul but de marqué. J'aimerais des explications claires, nettes, précises, et surtout, je veux un rapport demain à 8h sur mon bureau. S'il vous plaît. Parce qu'il y a un moment, il faut savoir faire bien les choses. Oh, il me l'enlève, il m'a vu venir. Il m'a vu venir, il n'est pas complètement débile non plus. Ah, ouais, centre du désespoir, hein, parce que clairement, c'était trop, ça. Ok, on va le laisser là. Je vais essayer d'attaquer un peu, je vais essayer de presser moins un peu, voir ce que ça donne. Sur le côté, sur le côté, sur le côté. Hop là. Ah, je voulais pas autant la mettre sur le côté, mais... C'était un tir en soi, mais j'ai trop courbé au dernier moment, donc... Non. Ok, personne. Non! Le double touch. Allez, là, c'est action décisive, but. Oui, monsieur, bien. Le pire, c'est que s'il la touchait pas, c'est moi qui mettais but. Hein. Mais il a bien fait parce qu'il était poursuivi par deux gars derrière, ils arrivaient à pleine vapeur. Il a très bien fait de le toucher. Joli, joli, joli. Il dit merci au moins. Espèce de bâtard. Le mec qui s'énerve. Du merci, wesh. Moi, on m'a même pas dit merci pour mon arrêt sublime ici, mais magistral, mais... Écoutez, je le vis bien. Je le vis bien. À un moment, je le vis bien, voilà, écoutez. Mais moi non plus, je dis pas merci. Moi, je dis pas de problème. Oui, mon but, je l'admire, je bois de l'eau, je vous emmerde. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris ce type de caméra, parce que ce genre d'action, j'arrive mieux à le faire. Clairement, mettre un ballon en l'air et se le auto-reprendre, il y a un sentiment de satisfaction, tu fais « Oh, je suis doué. » Ah, bien joué, il me l'a enlevé. Je l'avais prévu plus large, ma trajectoire, du coup, mais bon, ça, écoutez, il l'a bien vu, il l'a bien vu. Ça, on peut pas leur enlever aux adversaires, c'est que des fois, ils défendent bien, ils voient mieux que toi le jeu, ils se projettent mieux que toi dans le jeu. Du coup, ils voient des choses... Tu ne verrais pas forcément. J'aurais peut-être dû me jeter sur celle-là, mais je pensais que mon coéquipier allait arriver avant. C'est le cas, mais pas la meilleure trajectoire. Du coup, j'aurais peut-être dû lui prêter meilleure assistance en, en le devançant. Fonce, Timmy. Voilà, c'est bien, Timmy. 13 secondes, 2-0. Oui, à un moment, on peut dire qu'on a gagné. Écoutez. Sauf si vraiment la remontada se fait d'une manière violente et incontrôlée, mais... On devrait bien le vivre. Je pense qu'on le vit bien. Bien joué. Voilà, c'était pile ce qu'il fallait faire. La dégager loin et fort. Voilà, 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 voilà. Je pense qu'on a le temps encore de 1 ou 2 matchs après on arrêtera le live là. Ah, la division. On va reprendre la division. Ah, 7 sur 10. Bah écoute, on va jusqu'à 10 sur 10 en argent si on arrive à gagner les 3, mais... Il faut absolument qu'on s'arrête sur une victoire en fait, parce que c'est comme le même que j'ai retweeté. Ne pas aller dormir tant qu'on perd et aller dormir sur le dernier match parce qu'on l'a gagné pour se sentir un winner. C'est comme ça qu'il faut faire les gens, c'est comme ça. Si tu te sens un winner, tu es un winner. De toute façon, pour te sentir winner, il faut que tu dises que tu es un winner. Même si tu ne l'es pas dans les actes en fait. En fait, d'abord, c'est un état d'esprit. Si tu te dis que tu es un winner, même si tu perds, ça viendra. Tu seras un winner parce que tu as le bon état d'esprit. Tu es la positivitude. Toi, par contre, t'as vu le ballon loin dans le futur. Je sais pas où t'étais, mais... Il t'était pas au bon endroit. Hein. Centre, Timmy. Oh, il était dans le passé, par contre, là, cette fois. Petit live d'une heure, 1h20, ça va faire. Oui. Oh, là, il était bien. Là, il était dans le présent. C'était pas mal. Hop là, on tape fort. On va devant. Je te la remets. Ah, dommage, j'ai pas fait assez fort pour le coup. Moi qui avais peur de faire trop fort. Et bah pour le coup, j'ai pas tapé assez. Bien joué ça. Hop là. Je défends. Je ne suis pas qu'attaquant, je suis aussi défenseur. Ah, c'est pas mal ça, c'est un bon angle. Oui, oui, oui. Dommage, il l'a eu, il l'a eu. C'était pas mal l'angle qu'il lui avait donné et tout.
Voilà, je l'ai un peu gêné. Ça a complètement suffi à déstabiliser le reste de la team. Non, l'attends pas. Voilà, tape là. Mais l'attends pas parce que si tu l'attends et que lui il peut la prendre plus haut que toi niveau aérien, il ne va pas se gêner. Hey Juju League, c'est ça? J'ai l'impression que mon chat ne se met pas à jour parce que vous avez engagé une conversation et en fait il charge. J'ai mon chat qui est en espèce de chargement là, vous savez, il clignote un peu gris bizarre là, il fait gnang, gnang. On devrait gagner 1-0 déjà, frère. Allez, on pousse. On pousse de la fonte. Fuck. Pas en dessous, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils disent? Wow, c'est tout d'abord. Prends-le. Toi, si tu fais de la merde, je dirais que c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ah, j'arrivais à un truc. Avec les occasions qu'on a, si on concrétisait... Furé, je me suis trompé de geste. C'était tendu, hein, s'il le touchait. Lui sonner la pastille, il en a besoin. Maintenant on l'accompagne, techniquement il la met tout seul. Ben voilà, bien joué, tu vois quand tu veux. Faut dire. Pourquoi on est tous calmes d'un coup? Parce que le match est trop intense. D'accord. Ah, parce que vous étiez calme à défaut. Donc en fait le chat il recharge. Ah d'accord, il chargeait du vent, d'accord. YouTube. Très bien. Non mais YouTube. Non, j'ai été trop haut. Comment c'est possible ça? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'aurais dû la mettre 150 fois et je l'ai pas mise. J'ai essayé. J'ai échoué. Bon, 2 minutes pour rattraper un but, c'est pas non plus. Je l'ai, je te le mets 3 fois comme ça, au moins t'es sûr. Oh! C'était bizarre comme engagement, mais je vais peut-être en profiter du coup. Oh! C'est trop tourné! Qu'est-ce que tu vas faire? Les vrais retournés de Cristiano Ronaldo! Comme contre la Juve avec Buffon. Hop là, un peu plus en l'air. Voilà, c'était prévisible. Non, Timmy. Comme ça, Timmy. Tu vois? Comme ça. Allez, Timmy. À ton tour. Allez, Timmy. À ton tour! Ah, j'avais pas réussi à mettre de puissance dans ce que je voulais faire. Tout seul. Mais non, mais non. Mais il y a un moment, il faut rendre l'argent, là. Je demande arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Faut se... Mais j'ai eu la flemme! J'ai eu la flemme de changer! Est-ce que c'est de ma faute si je suis la flemme? C'est vous qui m'avez enseigné que j'avais la... qu'il y avait la flemme. Nul. Le blési. Là. Qu'est-ce que vous foutez là? Je remarque qu'ils viennent quand ils sentent que je suis nul. Oui, ta faute. J'avoue, c'est ma faute. Ma très grande faute. C'est pourquoi je vais m'auto-flageller. Juste après ce live. Pour me punir. Parce que je sais que j'ai été un méchant garçon. Faut faire le mode expert. Ah! J'arrive, j'arrive. J'arrive. T'inquiète pas, je vais te montrer c'est quoi le vrai talent là. Le vrai talent c'est ça, tu vois, c'est d'avoir tout prévu. Tu vois, moi j'ai prévu par exemple que là, ils allaient mettre un but les bleus, tu vois. Donc, tu vois là, c'est cadré. Là, il va venir, il va me la foutre comme ça. Voilà. Donc tu vois là, il met le but. Mais en fait, c'était une tromperie. Parce qu'il va le mettre pour de vrai. Mais ce sera pas de ma faute, ce sera la faute de mon coéquipier. Et puis tu vois, après, il y a les vrais dribbles. Donc au bout d'un moment, tu vois, comme t'as les vrais dribbles, tu maîtrises le vrai dribble. Mais... Et puis lui, il se loupe. Et du coup, tu l'avais prévu. Et comme tu l'avais prévu, bah t'attends que son autre coéquipier fasse une erreur. Et puis t'attends que ton coéquipier, lui, se joue bien pour une fois. Mais en fait, non, il n'y arrive pas.
Du coup, ce que tu fais, tu reviens au plan de base, qui est que les bleus, en fait, vont gagner. Et pas du tout, en fait. Ah si. Ah non. Ah si ! Oui, Timmy ! Oh mon dieu. Ça veut dire qu'ils sont modos, oui, c'est eux qui ont la clé. On venait te chercher, t'es censé jouer là. Il faut faire le mode expert. J'arrive, j'arrive. It's over 9000. Bah écoutez, j'arrive tout de suite. Miss, Oli et Blady. Et Eric, je suppose, parce qu'il arrive avec Eric. La clé des WC. Yes! On est passé divi. Ouais, les mecs en face avaient un bronze, ils ont galéré autant. Eh, je suis perdu. Je vous jure, ma vie là, elle vient de défiler devant mes yeux quand j'ai vu son icône. J'ai fait non, c'est pas possible. Elle était si nulle que ça. Mais c'est normal, il m'appelle toujours bébé. Bon, on finit ce live sur une unboxing de la caisse champion. J'ai combien de clés juste? Parce que technique, moi, parce qu'en fait, je voudrais la Takumi. Espèce de Takumi car. J'ai trois clés qui sont échangeables, donc techniquement. Techniquement, la Takumi, c'est une, voire deux clés si elle est colorée. Donc. On va se l'ouvrir celle-là, et puis écoutez. On se donne rendez-vous tout à l'heure sur le live demi. Je parlerai peut-être pas, mais. On arrive pour le mode expert. Ça enlève qu'il a fait le mode expert, il me semble. Bon, allez, c'est tombé. Je verrai bien. Une clé sera utilisée pour ouvrir. Oui, non, sans blague, je ne les ai pas achetées pour qu'elles soient utilisées. Non, tu sais, je dépense mon argent pour rien. Non, je ne live pas. Ah, d'accord. Si tu veux continuer ton live, on peut te rejoindre. On peut juste te rejoindre. Maintenant, ils me l'ont donné déjà la dernière fois, ça, pour une voiture que j'ai même pas. J'ai pas la Jagger. Non, mais en fait, de base, Miss, c'était. C'est un petit live d'une heure, mais c'est galère en fait. J'ai pas le niveau de jeu que j'ai d'habitude parce que j'ai dû reprendre une vieille manette avec laquelle je suis plus habitué avec les nouvelles touches que j'ai fait. Et bah en fait je suis sur PlayStation. Et pour avoir le son de la PlayStation sur PC, j'ai dû activer le... Comment ça s'appelle? C'est un espèce de logiciel en gros qui te permet de voir ta PlayStation via un écran de PC grâce à la connexion. Mais en gros t'as des latences et puis la manette elle me tire le doigt. C'est là, c'est pour ça que je m'étais acheté une autre manette. Mais non, à la base le live devait finir à 45 et là il est 45, donc on va y aller, on va s'arrêter. Parce que comme j'ai dit juste avant que tu viennes, c'est il faut arrêter le live sur une victoire comme ça, quand on va se coucher, on a le sentiment de s'endormir comme un winner. Donc voilà. Donc écoutez les cocos. Oh argent. Loli il a tout compris. Si tu veux continuer ton live, on peut juste te rejoindre. Si tu veux me rejoindre sur Rocket League, pas de soucis. Mais là très clairement je suis nul à chier. Attendez, juste avant de sortir, pour me ôter le doute. Pour me ôter le doute que mes réglages sont bons. Ok, le jeu, il a craché. Ah non, c'est juste qu'il garde la musique pour... Attendez. D'accord. Ça ne va pas du tout. Normalement, je devrais la retoucher tout de suite. Ouais, voilà, comme ça. Ah, misère. J'ai encore de la misère avec cet entraînement. Voilà. Je savais que j'étais pas si nul que ça. Ah, dommage. Bon, allez. Et sur ce magnifique but pas volontaire, qu'on va s'arrêter là, les cocos. J'espère qu'il vous aura plu. Et nous, on se retrouve demain ou lundi, tout simplement, pour faire un live un peu plus sérieux. Mais dans ce cas-là, on sera sur PC, par contre, hein, avec la vraie manette. Parce que là, c'est la galère. Donc, clairement, cette manette-là, c'est fou à quel point on s'habitue vite à une manette et qu'on prend de vieilles habitudes. Et vous voyez, je la touche. Bon, c'est pas moi qui est complètement fou. C'est juste que, voilà, j'ai pris de sales habitudes, et voilà. Ouais, ben voilà, je la touche. Allez. Sur ce, je vous laisse. Je vais juste faire ça. Je vais vous mettre dans le noir. Vous n'allez rien comprendre à votre existence, de votre vie. Et voilà, vous êtes dans le noir à présent. Vous êtes dans l'obscurité, dans les ténèbres. Vous êtes dans l'esprit d'Oli. Parce qu'en fait, vous savez, il fait très noir dans l'esprit d'Oli. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien dedans. Non. Il y a quelque chose. Mais vous ne le voyez pas. Même lui, il le dit. Pauvre vous. Bon, les cocos, je vous fais des bisous sur ce magnifique écran de pause absolument Utsukushi. Et on se retrouve demain ou après-demain pour... un live avec la vraie manette que je vous montrerai en facecam.
Allez, des bisous, retournez à vos occupations et surtout, mangez des pizzas. Bisous!